Alors, j'espère que vous portez bien. Donc, par la suite, ici, nous devons faire quoi? Nous devons essayer de créer une méthode de connexion. Donc, nous devons la mettre en public pour qu'elle soit accessible et le type va être le type connexion. Donc, elle va être le type connexion et nous devons l'appeler get connection. Donc, cette méthode va nous permettre de récupérer la connexion. Vous savez qu'elle va retourner, return, une connexion. Et donc, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons avoir à l'intérieur de cette méthode? Donc ici nous devons mettre le travail, pourquoi? Parce que nous devons appeler la bibliothèque d'importation. Donc pour cela nous allons donner la classe .fornil. Et ici nous devons appeler le driver .mysql.gddc.driver. Donc ici c'est la classe qui va permettre d'importer la pilote, le pilote que nous devons utiliser. Donc pour cela nous avons besoin d'importer déjà notre pilote. Et donc pour cela on se rend dans la bibliothèque library puis add folder. Donc nous devons prendre le MySQL Connector 8.0.11. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mises à jour. Et c'est maintenant que je viens de me rendre compte de cela après avoir fait plusieurs recherches sur Internet. Donc pour cela, vous avez besoin d'importer cette bibliothèque-là. Et à, ici, à ce niveau, vous devez augmenter CCJ. Point. Donc c'est comme ça. Donc c'est cette nouveauté que je voulais que vous voyez, que nous n'avons pas pu amener lors des cours en présentiel. Donc maintenant, après avoir importé, si tout se passe bien, dans le cas où il y a erreur, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher une requête classe not found exception. Et on va donner l'objet qui va contenir l'exception. Et là maintenant, ici à ce niveau, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons afficher à l'utilisateur pour qu'il puisse savoir à quel niveau il y a le problème. Donc avec la sortie standard d'erreur est. Donc voilà. Forcément, il ne devait plus avoir ça, je ne sais pas pourquoi. Try without cache, finally. Finally, our source declarations. Try cache. Donc normalement, ça devrait plus me générer d'erreur. Donc on va essayer, puis on va voir s'il y a un autre problème. Maintenant, la connexion à la base de données va se faire toujours dans une encapsulation, dans une gestion d'erreurs standard, dans un try cache toujours. Mais sauf que cette fois-ci, nous aurons plutôt une requête de type, une erreur de type SQL exception, donc SQL exception. Donc, ici, nous avons le e.get message. Ici, nous avons besoin de quoi? Établir la connexion avec la classe driver. Driver.get manager. Et puis nous devons passer URL, URL. Nous devons passer également le user, username et le password. Alors vous me direz, comment a-t-on fait pour utiliser ces variables et où les a-t-on utilisées? Donc pour cela, c'est ici, nous aurons besoin de quoi? Nous aurons besoin d'abord d'un premier constructeur pour initialiser la classe. Donc cela, nous devons le mettre ici. La notion de constructeur, juste pour que vous le connaissez déjà en orientant bien. Donc c'est la classe qui permet d'initialiser une connexion. Donc pour nous aurons, et généralement il n'a pas d'étude de retour et il a le même nom comme la classe. Donc pour nous, ça sera connected database. Ok, donc pour nous ici, il aurait quoi? En paramètre, nous aurons. Ctrl V. Quand je sens tout derrière, donc je peux copier et je colle ailleurs. String, users. Regardons voir où il y a l'erreur. Il s'agit d'invalide méthode declaration return type required. Ah ok, ça doit retenir quelque chose. Nous avons quoi? Nous avons user name. This. My user name. On va recevoir le user name. This. Point. Password. On va recevoir le password. Après, il y a le URL. This. Point. URL. Equals URL. Après, il y a le IP server. This. IP server equal IP servers. Et après nous avons le 10.port equal port. Voilà, maintenant que nous dit-on ici, nous avons créé une classe connected database. Oh, c'est dans une base de données, donc on va mettre plutôt base de données. Voilà, c'est bon. Et à ce niveau, nous avons créé une méthode de connexion qui va donner une connexion, c'est là, et nous avons importé la classe. Bon, nous n'avons pas importé, il faut importer. Donc pour cela, nous avons besoin d'importer la classe fournie. Donc, c'est majuscule. Et ici, nous avons quoi? Driver.getManager. Driver.manager.getConnection. Donc ici, nous avons Driver.manager.getConnection. Voilà, donc, voilà ce que nous avons besoin. Je vous donne rendez-vous pour que la vidéo ne soit pas trop longue pour les prochaines vidéos. Donc, afin que nous puissions continuer toujours avec notre classe Connected Database.